Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est un bookshelf tour. Vous l'avez énormément demandé depuis le début de ma chaîne et c'est vrai que j'ai jamais eu le temps d'en faire vraiment un. Et là voilà, je reste en panade d'idées. Je me suis dit pourquoi pas faire un bookshelf tour, surtout que vous m'avez donné l'idée quand je vous ai demandé quel genre de vidéo vous vouliez. Et là vous êtes à 70% à m'avoir répondu que vous vouliez un bookshelf tour, donc du coup le voici. Je ne vais pas vous parler durant toute cette vidéo, je vais vraiment vous laisser avec ma bibliothèque en tête à tête, on va dire. Et voilà, donc pour une petite présentation, pardon, j'ai du mal à parler vivement ce week-end. Pour le coup, je vais vous présenter premièrement ma première bibliothèque, qui est une colonne qui en fin de compte représentera tout simplement les livres que j'ai déjà lus. Je garde énormément de romans, enfin, je garde pas énormément de romans, pardon, mais je garde vraiment les romans qui ont été soit des coups de cœur, soit des très très bonnes lectures, ou bien des romans que... je souhaite peut-être prêter à quelqu'un qui aimerait, donc je les garde, sinon la plupart ils sont en vente sur mon Vinted et c'est tout aussi bien, ça me permet de faire de l'espace en plus dans mon petit appartement, donc c'est juste parfait. Et en deuxième partie, je vais vous présenter ma pile à lire qui est juste derrière moi, qui est juste énormissime, mais que j'aime énormément. Voilà, j'ai essayé de faire un arc-en-ciel, vous verrez, c'est pas jovial, mais franchement ça passe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Soyez indulgents également concernant la qualité de cette vidéo, parce que je filme quand même avec un portable et forcément... l'objectif n'est pas aussi précis qu'une caméra. On n'a pas tous les moyens d'avoir une caméra, donc c'est pas grave, je fais avec mon portable. Ça m'a jamais dérangé, mais peut-être que pour cette vidéo, ça risque de vibrer un petit peu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère quand même que ça va vous plaire. Je vous dis à la semaine prochaine, parce que je vais pas vous reprendre d'ici la fin de cette vidéo. Et j'espère que ça vous plaira. Ciao!
You and me, all.